Et salut tout le monde, c'est Golden et bienvenue sur l'épisode 6 de Vers les étoiles saison 2 avec Thomas. Salut Thomas. Salut tout le monde. Et on est en live actuellement, donc bonjour à ceux du live, dédicace à vous. Et on y va, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va partir en exploration. On est beaucoup resté ici ces derniers temps. Dans une grotte. Voilà, dans cette grotte, jolie ma foi, mais bon, on pourra l'améliorer plus tard. Mais bon, on va changer humide et serré. Non, tu te calmes un peu, tiens. Donc on va partir en exploration pour chercher les colorants pour faire les portails de Colorful Portals. On vous rappelle qu'on va mettre un portail sur la Lune, vers la base, déjà, sur Mars. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faudra trouver ça. Des oui. moutons. Oui. Donc déjà les fleurs Pourquoi bleues. Pourquoi les moutons les colorants. Mais non. Si tu veux farmer le colorant, tu veux farmer le colorant ou tu veux juste avoir les colorants. Ah non. Ah oui, attends, ça serait bien de le farmer, oui, exactement. Mais bon, on verra plus tard. D'abord, on va récupérer. On va récupérer là, les. Déjà, j'ai déjà du colorant bleu clair. Ok, mais on n'a pas besoin. Tu veux quoi comme colorant? Je vais te dire. Donc oui, on va chercher tout ça. Alors, on a besoin du colorant noir. Noir, c'est la pieuvre. J'en ai. Il y en a une dans le lac qu'on a vu tout à l'heure. Allons-y. Oui, tu pars pas trop loin quand même. Voilà. Dans le lac là-bas. Okay. Tu te souviens des coordonnées de la maison? Je vois où, déjà la montagne est assez grosse pour la remarquer. Oui, donc, mais après, si on part trop loin, parce qu'il va falloir chercher un biome jungle. Mais écoute, moi, j'aurais dû mettre Zan's minimap et tout ça. Moi, je l'ai pas. Tu l'as pas? Mais non, justement, je l'ai pas. Ce que j'aurais dû. Ouais, j'étais chargé, mais je l'ai pas mis. Ah bonjour, là. Petite grotte. RT, si, c'est triste. C'est con ça, enfin bon. Alors, je vais faire un résumé. On a besoin de quel colorant? Ah oui, j'ai même pas le guide et tout, j'ai rien, c'est vrai. On a besoin du colorant noir, blanc, rouge, jaune, marron et bleu. Marron, tu le trouves par les fèves de cacao déjà? Oui, voilà. Bleu, c'est... Lapis-lazuli. Lapis-lazuli. Oui. T'as dit quoi l'autre? Le blanc, poudre d'os. Le blanc, c'est le blanc, mais j'ai une fleur blanche. Poudre d'os. Oui, aussi. Voilà. J'ai trouvé une forêt de sapin, elle est très belle. Mais pars pas trop loin, je t'ai perdu. Je suis dans le lac. Ah bon? Quel lac? Je suis au lac, celui qu'on est passé tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait une pieuvre, là, il y en a plus. Ah ok. Il est où? Parce que, en fait, on vous précise qu'avant de commencer l'épisode, on a fait au moins, je sais pas, peut-être combien, je regarde. On a fait 2 heures. Non, 2 heures. 2 heures de live. Oui. On a fait pratiquement tout ce qu'on fait en off, en fait, mais en live. Voilà, on est allé miner, on a fait pas mal de... Des compresseurs de style, on en a plus de 42, j'en ai fait énormément avec du fer et du charbon, on vous le rappelle, on en aura besoin pour la fusée. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais dans le lac. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui ont spawn, juste devant moi. Ok. On les tue. C'est pas une raison pour nous casser les tympans. Oui mais... Non, non, voilà, t'as ton châtiment, voilà. Tu n'es pas contre un orgasme, voyons. Oui, je suis dégueulasse. Ah, là, 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 là. Bon, alors voilà, vas-y, tu l'es. Déjà, le noir, on l'a. Allez, colorant. J'en ai plein. Ok, mais c'est bon. Après, les fleurs jaunes, on va en prendre plusieurs. Fleurs jaunes, j'en ai 3 déjà. Ok, mais il en faut plus. Ok, mais déjà, t'en as là. Voilà, c'est bon, les fleurs rouges. Le rouge, c'est bon. Là-bas, au fond, la colline, j'en vois. Ouais, j'en ai, c'est bon. Hop, fleur rouge, c'est bon, lapis-lazuli, on en a déjà. Je vais citer là-bas. Ouh, vas-y, on y va. Elle est très jolie. Lapis-lazuli, on en a... T'en as tout à l'heure, je l'ai vu miner. Oui, mais j'ai dit on en a, justement. Justement, je crois que tu disais ça parce que tu réfléchissais, t'en as vu. On en a. Il y a des boutons. Oh, tu les tues? Non, on les tue pas, on les ramènera plus tard. Déjà, hop, voilà, j'ai 3 colorants. Tiens, je vais rendre, hop. C'est quoi? Jaune? Ah oui, ouais, bon. Alors, par contre, pour rendre le mouton noir, regarde. Oui. GG. J'ai fait ça au précédent épisode, en fait. C'est quand on a récupéré tous les rouges. T'as les rouges? On avait récupéré les laines rouges pour faire les bouteilles d'oxygène. J'avais fait ça. Il en faut plus. Hmm? Il en faut plus. De quoi? Bah, des laines rouges, non. Pour les bouteilles, au bout d'un moment. On les a fait. Il en faut juste 2, c'est bon. C'est bon, ça suffit 2? Oui. Bon. Après, elles se re-remplissent. Donc, ouais, il faut trouver un biome jungle et ça va être trop chaud. Ah, pour la fève, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'ils sont aussi rares que ça? Ah, oui. Je me rappelle sur Craftmania, le temps que j'avais mis à en trouver un. Ah, la fleur blanche, ça donne du colorant gris. Ok, mais on s'en fout. On s'en fout, tu n'en as pas besoin du coup. Non.
Normalement, les colorants de base. Attends, je vais essayer de compter. Me perturbe pas. Alors, noir, bleu, jaune, rouge, blanc. On en a 5. Il en manque 2. Justement, il nous manque le marron et... Marron, voilà, ça fait 6. Et un autre. C'est déjà du rouge et du noir sur moi. C'est quoi le dernier? Mince. Tous les moutons ici, putain. Je sais pas où t'es en fait. On s'est trop dispersé, je pense. Je suis monté sur la colline en fait. Ok. Attends, je reviens en bas. Donc je pense que nous allons faire une ellipse le temps de trouver le biome jungle. Parce que sinon, ça va durer trop longtemps, je pense. Donc on vous dit à tout de suite. C'est parti. Allez. J'ai failli tomber dedans. Oh, oh la vache. Suicide. Voilà. Enfin, comment on dit? Sacrifice. Sacrifice. Oh, village de PNJ. Que c'est mimi. On y va. Hop. Oh, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là, à l'intérieur? Ah oui, il faudrait filmer ça. Ça filme, t'inquiète pas. Re. Voilà. Je l'ai pas forcément dit, mais voilà. Ah, j'ai le sacrifice. En fait. Oh, j'ai fait le travail à sa place. C'est ça. Putain, les PNJ, la gueule qu'ils ont, on sait pas de texture. Ah là là là. Ils sont blonds, ils ont un gros pif. Ouais, oh, enculé. Ils portent des chemises et une salopette à la Mario. Ah là 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 là. La con là. Alors attends, la forge. Forge. Elle est celle-là. Mais y'en a pas. D'accord. RTC, non. C'est triste, là on peut c'est le dire. Triste. Attends, non, mais des fois y'a des coffres en haut des tours, je crois, ça dépend. Non, mais non. C'est pas grave, on continue. Et re, alors on a trouvé un désert qui est juste là, après le village, pas très loin. Donc le dernier colorant, me l'a rappelé sur le chat du live, c'est le cactus, bien sûr. Le colorant vert. Alors, eh ben regarde-moi ça, c'est pas beau. Allez, dans le biome. T'es déjà y allé? Ah ben oui. On est derrière moi, comme un con. Ah là 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 là. Donc on a trois cactus. Faut en prendre plusieurs pour les cultiver. Ok. Oh, regarde. Un temple. Alors on se le fait? Allez. On sert le petit temple. Alors. Ouais, moi aussi. Attends, par contre, faut pas faire le coup de tomber juste au milieu, hein. Non, t'inquiète pas, je gère les temples. Dans cette mise à jour, ils ont remplacé la laine par la... Non, j'ai eu peur, mais non, en fait. Hop. En fait, il est assez profond sous le sable. Ah oui, c'est toujours très profond sous le sable. Non, je veux dire, même pour rentrer à l'intérieur, normalement, c'est à la surface. C'est pas autant... Bref. Normalement, à 1.8, il remplace... Attention, fais pas tomber un item sur la plaque. Non, ça marche pas, je crois. T'as peut-être... Alors... C'est une plaque en fer, ça marche pas. Ah non, c'est une plaque normale. Alors, attends, je vais prendre la TNT d'abord. C'est bon, j'ai récupéré la TNT, y'a pas de soucis. Alors, saddle, un truc pour les chevaux, pour monter dessus. Ok. De l'iron, 3 diamants. Oh, cool. Un livre d'enchantement, Smite. Rotten Flesh. Smite, Power 4. Ouh, Power 4. Oh. Et Rotten Flesh, je sais pas ce que c'est ça, c'est quoi? C'est la viande de zombie. Mais ça là. Bah, c'est la viande de zombie. Non, parce que moi j'ai un palpitation différent. Ah, d'accord. Ah, mais on remonte. Bon, bah. C'est parti! Tu sais, j'ai une idée. Oui. Quelqu'un appuie sur la plaque et on remonte direct. En faisant l'escalier. Ah! Non, mais en fait, j'ai dit que j'avais enlevé la TNT. Va te faire! Et moi, j'arrivais pas à remonter! Oh là là. Le coffre qui me gênait, je pouvais. Quand je cliquais dessus, ça m'ouvrait le coffre, tu vois. T'avais le stress, hein? Ouais, là, je l'ai vu, putain. Mais c'est bon, je suis arrivé en haut. Bon, on a le cactus, on va en prendre un petit peu plus. Et puis, bon, on va continuer la recherche du biome jungle. Allez. Oh, biome jungle, je crois. Quoi? Je crois, oui. Oui, biome jungle. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Oh. C'est un biome jungle. Vas-y, je l'avais dit que je sentais bien. Oh, tu... Toi, tu voulais partir de l'autre côté, le gars. Donc, les gens, on a enfin trouvé le biome jungle. Ça fait longtemps qu'on le cherche. On a aussi trouvé un zombie, tu vois. Eh bien, regarde, on a des fèves de cacao. Donc, on récupère le bois du cacao. Le bois de la jungle, plutôt. On prend les fèves de cacao et on les replantera chez nous. Et oui, Jean-Mi. Et oui, Jamy.
Ah ah, regarde ça, regarde ça. Alors le bois. C'est vraiment des grosses bites, franchement, les squelettes. Ils te voient pas à travers les lianes. Ah. C'est vrai que c'est pas très visible, quoi. Hop, et voilà. Alors, les petites graines, on va les ramasser comme ce sou. Et voilà. Alors j'en ai. Il faut enlever tout le bois. Quatre. De quoi? Ouh, ah, ah, j'entends quelque chose. Attends, pourquoi tu veux enlever tout le bois? Mais pour la pousse. Ah, oh, mais non, mais ça, on s'en fout. Tu prends juste le bois directement. Enfin, toi, tu veux... En fait, tu peux replanter les pousses directement sur le bois. Enfin, les graines. Ah oui, c'est vrai, ça. Et c'est comme vrai. Ça, t'as juste à prendre du bois. C'est vrai, en effet, Jean-Pierre. Voilà. Oui. Donc, j'ai 5 bois et ça suffira amplement. Et okay, on... Et j'ai pris plein de graines. J'en ai 6. Parfait, moi j'en ai 11. Allez, on rentre à la maison. C'est parti. Et on est de retour à la maison. Et on a tout. Allez, c'est parti. On va créer les deux seaux pour les deux portails différents. On va pas les poser maintenant parce qu'on sait pas encore où c'est qu'on va mettre le portail. Le premier portail, on sait que le deuxième, on va le mettre sur la lune, c'est clair. Mais le premier, on sait pas parce que ça va sûrement changer l'endroit. Alors. Est-ce que t'es prêt? Oui. Ok, t'es prêt. Alors, c'est parti. Pourquoi t'as mis du colorant gris, là, comme ça? Je te facate. Alors, on a le marron, le blanc, le vert, le bleu, le noir, le rouge, le jaune. Et maintenant, on a besoin de deux seaux. Deux seaux. Voilà, alors, je l'ai fait. Tu l'as fait? Je l'ai fait. Voilà. Ah non. Attends, je me suis trompé, je crois. C'est quand même beaucoup, quand même. Hein, trois lingots pour... T'imagines? Non, c'est ça. Trois lingots. Je crois que... Mince. Comment on le fait? Il faut faire un saut en or, mais je sais plus, évidemment. Tu peux pas m'envoyer de... Attends. Je vais me rappeler de ça, ne vous inquiétez pas. Alors, comment on le fait le saut en or? Comme ça? Non, je sais plus. Je l'avais fait, mais je sais plus. Sans le craft guide, c'est clair que... C'est pas comme le faire? Avec un lingot vers le bas, non? Non. Ah voilà, c'est un enfer normal, sauf que au milieu, tu mets un lingot d'or. Hop. D'accord. Voilà le seau qu'il va falloir, je crois, mettre... Ok, attends. C'est compliqué. Oh oui. C'est compliqué. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut. On met le seau enfer normal en haut à gauche. L'autre... Mais il faut le remplir d'eau. Tu peux même le remplir d'eau. La cata. On voit. Juste celui qui est par terre. Voilà, nickel. Mais c'est un seau d'or, mais c'est un seau normal. Oui, mais il faut le remplir d'eau celui-là. Tu vas aussi faire un seau d'or. Attends, je vais avec toi. Oui, mais il en faut aussi un en or. Mais il faut un seau normal. Vas-y, viens. Aussi. J'arrive. Ouais, viens, dépêche. J'arrive. Oui, calme. On sent ta gueule. Pareil. Le méchant. Vas-y, on remplit. Doche. Faut que j'extire remplissage d'eau. Et tac. C'est la beauté la plus... Total. Oui, monsieur. Et oui. Attention. Allez, on revient. On va faire une source d'eau illimitée. Ce sera plus simple. Vu qu'on a deux seaux. Vas-y, on la fait là. À l'extérieur. Tu veux galérer la vie? Non, on la fait dedans. Non, je veux faire un truc plat, la coller. Vas-y. Fais ce que bon te semble. Comment c'est moche. Hein. Vas-y, pose. Ok, et moi là. Magnifique, tu le re-remplis et on va en haut. Et tu me l'envoies. Fais pitié ce truc. Enfin bref, on verra. Envoie-lui-moi sur moi. Tu l'as le deuxième? Non, je l'ai pas. Toi, j'étais où? Je l'ai. Ben, j'ai le mien, mais. Oui, mais voilà. Voilà. J'ai le mien. Tiens, j'envoie tout ça. C'est pour vider un petit peu l'inventaire. Voilà. On va faire un autre saut en or. Alors, c'était. Enfoiré! Mince! Oh, non! Le méchant! Mince! Oh là. Genre, c'est un saut d'eau, tu fais une chute d'eau avec. C'est incroyable dans ce jeu, quand même. Eh oui. Tac. Alors, c'est parti pour le craft. Envoie-moi le saut d'eau, s'il te plaît. Le saut d'eau? Oui! Attends. J'ai pas pris le colorant. Tiens! Il est vide. Et tu as dit le seau d'eau. On n'a pas dit qu'il fallait forcément de l'eau à l'intérieur. Un seau d'eau. Sinon, j'aurais dit le seau. Je te fracasse. Passe-moi le seau alors.
tiens. Merci. Alors, on met ça là, ça là. Ça là, ça là, ça là, ça là, ça là, ça là, et ça là. Magnifique. Bucket of dice. Qu'y a-t-il? Ah là là. Ok, et pouf, on a le deuxième bucket. Qu'est-ce qu'il y a? Et pouf. Et ouais, fait du choc à pic. Paf. Paf. Ça y est. Non, c'est paf. On a transformé, ça y est. Regarde, 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 c'est beau. Regarde, oh, regarde. Pouf. N'aie pas peur. C'est quoi cette eau? Elle est. Mais c'est l'eau pour ouvrir le portail. Pour... En fait, c'est comme le briquet sur le portail, sauf que ça et ce saut. On peut faire une sortie limitée de cette eau? Bah, je sais pas, je pense pas. Hein, mais eh ben, essaye. On va tester ça tout de suite, mais il me semble que non. Sinon. Taste it. Je sais pas. Attention, t'es prêt? C'est parti. Pouf. Un portail aussi gros que le Nether? Pouf. Non, on peut pas. Il faut jeter quoi à l'intérieur? Il faut. Non, en fait, il faut faire un entourage, comme un portail normal. Mmh. Peu importe la grandeur, soit en clé, soit en laine, soit en vitre, et tu mets clic droit avec ce seau et ça l'allume. Alors ? Non mais là on peut pas parce que on va le faire plus tard, parce que le portail si on le déplace il faut le casser et il faut tout refaire. Du coup on les pose là et on verra une prochaine fois. On a les seaux, donc on va se laisser là pour ce petit épisode exploration, craft, tout ça. On met tout ici. On avancera dans le prochain épisode, peut-être la base, on va faire la fusée, on va finir l'équipement spatial, on va faire plein de choses. On a encore plein de choses avant de partir dans l'espace. Allez, c'était Golden et Thomas, salut tout le monde, bye bye. Et bye bye.